Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et tu? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marilyn. Et tu? Je m'appelle Adila. D'où vous sont? Je suis de l'Antarctique. Ah, c'est cool ça. Je sais. Je veux Montréal aujourd'hui. Merci. Qui s'allient grande? Où peut-vous aller en Algérie? Un lieu intéressant pour aller en Algérie est le Kassaba d'Alger. Un autre lieu intéressant pour aller à dans Algérie est la Notre-Dame d'Afrique. La Notre-Dame d'Afrique est une cathédrale à Alger. Que vois-tu en Algérie? L'attraction touristique en Algérie incluant le jardin Amma. Il est le plus beau jardin d'Algérie. Elle a été créée en 28-32 et une attraction très populaire. Le jardin est en français et en anglais. Quand allais-tu en Algérie? Le meilleur mois pour aller en Algérie est en été, préférablement le mois juin, juillet et août, parce que du temps soleil et du temps modéré et du bon temps pour l'activité extérieure comme visiter le désert du Sahara ou aller du concert de Rachid Taha tenu chaque juin. Quel type de la nourriture ont-ils en Algérie? Les types de nourriture qui sont mangés dans Algérie incluant couscous, le gâteau de pois chiche, brochette, chachouka et un ragoût de légumes et taha. Un ragoût fait de poulet et de agneau. Le autre type de nourriture traditionnelle à servir en Algérie est El Ham Lalous, un plat traditionnel spécifique fait pour le dernier jour de Ramadan. Où faire le marché tout en Algérie? En Algérie, il n'est pas courant pour les jeunes à aller dans un magasin ou un centre de commercial pour acheter des vêtements. Les fils ont lieu, parka, et autres robes et forums cousus par lieu mère, comme le garçon. Les hommes aussi ont généralement lieu vêtements cousus par lieu femme. Comment contourner en Algérie? La façon pour contourner en Algérie pour inclure une run, un taxi qui traite qu'on marche et qui coûte dîner vous prendra environ. Les prix du autobus sont presque les mêmes. Taxis sont plus bons et ils portent 2 à 4 gens. Qu'est-ce qu'un détail de vie quotidienne en Algérie? Beaucoup de personnes habitent en Algérie sont musulmans. Dans leur routine quotidienne, le papa travaille, la mère se joue à la maison et l'enfant allait à l'école. Merci encore. Bonne journée. À de rien.